Le président gabonais, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé dimanche qu'il sera candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle du 26 août. Sa candidature à la présidentielle du 26 août ne faisait guère de doute. Ali Bongo Ondimba, pas pour l'heure, grand favori du scrutin, l'opposition s'avançant en ordre dispersé, avec une vingtaine de personnalités ayant déjà annoncé leur intention de se présenter contre le chef de l'État. La clôture des candidatures aura lieu le 11 juillet. Chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, pour continuer à écrire cette histoire et ce futur ensemble, parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Le chef de l'État, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père, Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu en 2016 au terme d'un scrutin contesté. Sa candidature devra être entérinée lors d'un congrès d'investiture prévu lundi. Le Parti démocratique gabonais, PDG, qui domine très largement le Parlement, pas grand favori des élections législatives et municipales qui auront lieu le même jour de la présidentielle. L'investiture du président par son parti sera qu'une formalité, car celui-ci l'appelle depuis plus d'un an à briguer un troisième mandat.